Je vais vous conter la légende du chef parieur. Il y a de cela fort longtemps, une bande de 6 aventuriers, venant tout juste de terminer une grande quête, décida de s'arrêter au village le plus près afin de se diviser le trésor qu'ils avaient récolté. Arrivé sur place, le chef de la bande proposa de partager le butin à l'aide d'un petit jeu. On demanda à un paysan du village de répartir le trésor à sa guise dans 6 petits coffres. Ensuite, chaque aventurier devait choisir un coffre, au hasard, et quitter le village. Cependant, au dernier moment, le chef, curieux, invita des aventuriers à s'asseoir autour d'une table ronde avec leur petit coffre. On ne souhaitait pas regarder le contenu de son propre coffre, alors chaque aventurier compta le nombre de pièces d'or de ses 2 voisins et en annonça la moyenne. Le premier compta une moyenne de 5 pièces d'or, le deuxième 9 pièces d'or, le troisième 8 pièces d'or, le quatrième 12 pièces d'or, le cinquième 3 pièces d'or, et finalement, le chef compta une moyenne de 6 pièces d'or. Après cette dernière discussion, les aventuriers quittèrent tous le village. Quelques heures plus tard, lorsque les aventuriers ouvrirent chacun leur petit coffre, la légende raconte qu'on entendit, dans le continent en entier, un grand cri venant du chef de la bande. Combien y avait-il de pièces d'or dans le coffre du chef?